Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nous allons faire un programme pectoraux avec les élastiques. Mais avant ça, je vais me faire mon petit shaker, d'accord? On va prendre de la créatine avec un petit pump, le booster, The Pump de MyProtein, goût framboise bleue. Très important de le dire, framboise bleue, les mecs. Quand vous prenez ça, framboise bleue. Très très bon goût. Donc on va sur ça tranquillement parce que je pense que j'ai enchaîné plusieurs programmes et j'ai besoin de force, d'accord? J'ai besoin de pump tranquillement. Donc créatine, comme je l'ai dit, parce qu'en ce moment je suis sur une petite cure de créatine histoire de reprendre en force pour te faire des vidéos lourdes, parce que j'ai une série de vidéos qui va arriver. Je t'en dis pas plus, mais qui va arriver. Ça va un peu te montrer mes performances, mais j'aurai besoin de ça. Donc une petite coupe de créatine tranquillement. Hop. Avec une scoop. Du pump. Il se peut que parfois je prends plus d'une scoop de pump. Ça dépend des séances. Quand je fais une séance jambes à la salle ou une séance où je lève vraiment lourd, là j'en prends un peu plus parce que je suis habitué, on va dire, à des boosters dosés. Mais pas légal en France. Donc parfois, j'en prends un peu plus. Mais toi, si t'es débutant, prends pas plus. Ou alors, si t'es habitué à prendre du booster de base et que tu sens que, voilà, prends un peu plus. Et ça, c'est valable avec tous les boosters, pas uniquement celui de MyProtein. Okay? Pour te dire, même des boosters US que j'ai pris où je prenais plus que des doses. Parce que j'étais fou. Ok. Donc, je prépare mon shaker. Tranquillement, je vais me faire un autre shaker de BCA et je te retrouve pour le programme PEC. Ah oui, si tu veux te procurer la créatine que j'utilise et aussi le booster, tu as le code DAMS, ok, sur MyProtein. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça motive. Allez, on y va. Avant de commencer ce programme, c'est important pour moi de préciser une chose. Parce que voilà, on est beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus vu sur la chaîne. Et je vous remercie. D'ailleurs, on a passé les 5000 abonnés, pardon. Merci beaucoup pour la force et la motivation que vous m'apportez. Beaucoup de personnes font mes programmes et les suivent. Ça fait plaisir de fou. Et aussi, je vois beaucoup de commentaires de personnes dans mes programmes PEC qui n'arrivent pas à sentir leurs pectoraux. Et ça, c'est normal. D'accord? C'est normal. En musculation, les pectoraux, c'est l'un des muscles les plus difficiles à sentir. Certaines personnes ont des facilités à les sentir, mais beaucoup de personnes, comme moi, ont des difficultés à bien sentir leurs pecs, à bien recruter les pectoraux quand ils travaillent. En général, ces personnes-là sont comme moi, ont beaucoup d'épaules et des bras, mais des pecs, c'est compliqué. Ce programme PEC avec élastique va t'aider à bien ressortir tes pectoraux, mais aussi tu peux l'utiliser comme première séance, entre guillemets, histoire de bien pré-fatiguer tes pecs avant de faire une vraie séance PEC, ok? Enfin, en salle avec des poids et tout. Donc, pour cela, on va prendre deux élastiques, une élastique de 25 kg et une élastique de 35 kg. Toi, tu peux prendre seulement celle de 25 kg pour tous tes trucs, ou si tu es chaud ou si tu es prêt, tu peux prendre 35 kg pour tout. Mais 25 kg, c'est pour faire les petites pompes et tout avec, et ça sera en guise d'échauffement. Pour moi. Après, mettre bien échauffé les poignets et les coudes parce que c'est important, il faut le faire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs échauffement pour que tu puisses bien te chauffer avec moi. On va attaquer ce programme PEC élastique. On va commencer par premier exercice, des pompes, hop, avec l'élastique. Si tu n'as jamais fait ça, je t'invite à faire une petite série de pompes avant. On va la faire ensemble. On va faire 3 fois 10 répétitions en pompe. 30 secondes de repos, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. J'ai dit 30 secondes de repos, mais ce sera un peu plus court. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, on repart à 10, 7, 8, 9 et 10. On y va. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, deuxième. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, on s'est bien échauffé tranquillement. On va partir juste après avec élastique. Juste réparer mes BCA tranquillement et on commence ce programme. Premier exercice, comme j'ai dit, on va se faire des pompes à l'élastique. Donc, l'idée c'est simple. Tu prends un élastique, tu le mets hop derrière toi. Hop, tu mets ta main comme ça. Et quand tu vas faire ta pompe, hop, tu auras une résistance. D'accord? Ça va te faire du bien, tu auras un nouveau ressenti. Et comme ça, tu vas mieux solliciter tes pectoraux. L'idée, c'est pas juste faire des pompes avec l'élastique. C'est de bien descendre, de rester 2 secondes et de remonter en dynamique. D'accord? Ça va faire mal. Mais moi, ça va me faire mal parce que rien que les pompes de tout à l'heure, je me suis fait, ah ouais, quand même. Ok? Donc, l'idée, c'est de ressentir ses pecs. C'est de se faire mal, d'accord? On a du mal à avoir des gros pecs. On a du mal à sentir nos pecs, à bien les remplir. Ça, ça va nous aider. On va souffrir ensemble. On va pas faire des pompes normales. Faire des pompes normales, c'est facile, on rigole. On n'est pas là pour rigoler. C'est les vacances. Au moment où je fais cette vidéo, on est là pour souffrir. On est là pour évoluer. On est là pour avancer. Donc, aujourd'hui, sois sérieux, sois concentré. Prends ton élastique et on y va pour 6 fois 10 répétitions tranquillement, 2 secondes en bas. J'ai préparé mon shaker de BCA parce que j'en aurai besoin. Hop, 10 reps, 2 secondes à la descente, 6 fois. Hop, prépare-toi, on y va. 1, 2, 1, 1, 2, hop, 2, allez, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok, hop. Je mets mon temps de repos. On va partir sur 1 minute. Et je fais mon trait. D'ailleurs, normalement, pour ceux qui suivent les programmes, je sais que j'ai toujours un petit stylo pour mettre le trait. Le problème, c'est que là, j'ai tout préparé. Tu vois, j'ai préparé mon booster, mais j'ai pas préparé ma petite feuille. Et chercher mon stylo. Et comme mon booster est en train d'agir et que je trouvais rien, j'ai pris un marqueur. Parce que j'étais trop énervé. Ça, c'est le The Pump. Il m'a réveillé d'un coup. BCA, comme l'eau. Une gorgée. Une ou deux, pas plus. Histoire d'être bien. On est à 47 secondes. On va bientôt repartir tranquillement. 52, 53. Ok, j'arrête le chrono. Je mets mon élastique. Hop. Je le mets bien en dessous mes mains. Et on va repartir. 2 secondes à la descente, toujours. 1, 2, 1, allez. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Oh. Là, je commence à congestionner un peu des bras et des épaules. Ça va être dur pour moi, je te cache pas. Mais bon, comme j'ai dit, on n'est pas là pour rigoler. Je fais pas énormément de séances en ce moment. Je fais pas beaucoup de sport en ce moment. Dû au travail, dû aux vidéos, dû au projet que je dois faire pour les clients. Parce que oui, je dois vivre aussi avec ça. Mais c'est pas une raison pour moi d'abandonner, c'est pas une raison pour moi de me plaindre.
on va avancer, on va se faire mal, on se fait mal ensemble. D'accord? C'est important. Pour moi, c'est comme une reprise. Donc, je me dois d'être bon et je me dois d'être performant. C'est important. 40 secondes. On va bientôt partir. Peut-être que pour l'autre, je vais prendre 1 minute 30 de repos. Un peu plus. On verra. Ah. 55 secondes. Je peux arrêter le chrono. Tranquillement. C'est la troisième. Hop. Allez. On n'a rien sans rien. Et on y va. Hop. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Allez. Une, deux. Six. Une, deux. Sept. Une, deux. Huit. Une, deux. Neuf. Une, deux. Dix. Oh. Ok. Hop. Je mets mon temps de repos. Là, je vois mon corps, il est congestionné à la mort. C'est très bien. Hop, 3. Il en manque 3. Pour cela, je prends une 30 de repos. Histoire d'être bien. Oh. Oh. Je rebondis sur un commentaire que j'ai vu ce matin. Une personne qui m'a dit, Dams, t'as perdu un peu des bras. C'est vrai, j'ai perdu un peu des bras. Mais c'est pas un souci. Moi, c'est pas comme Thibaut où je veux pleurer parce que j'ai perdu des bras. Les bras, c'est un point fort pour moi. Je les récupère vite, d'accord? C'est pas comme le dos. C'est pas comme les pecs et tout. Les bras, si je les perds, c'est pas grave. Je vais savoir les récupérer, je vais savoir les rebosser et les reprendre. Mais comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de photos. J'ai des clients à m'occuper, je dois vivre. Donc le sport passe un peu en second plan, sachant que avec le pass sanitaire, bah, je peux pas trop aller en salle. Je m'entraîne à la maison, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça, malheureusement. Mais la motivation est toujours là. D'ailleurs, on a 1 minute 20. On va bientôt repartir tranquillement. 25, ok. Hop. On y va. Allez. C'est ça, quand tu fais beaucoup de salle, mais pas beaucoup de poids de corps, t'en paies les conséquences. On y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Oh. Jusqu'au bout. Allez. C'est dur. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Hop. 4. Je t'ai dit, même si à la fin je fais des demi-reps, même si à la fin c'est compliqué, c'est dur, ou je fais pas des reps entières ou c'est bizarre, j'irai au bout de ce programme. C'est comme ça qu'on progresse, d'accord? Et c'est aussi pour te montrer que la musculation, c'est pas toujours facile. Dans les premiers programmes, tu me vois faire les choses avec facilité. Tu me vois en mode ouais, il est pas fatigué, ouais, il a pas mal et tout. Mais si, ça fait mal, d'accord? Oh, on est là pour ça, pour se faire mal. D'habitude, ça c'est des programmes que je fais avec de la musique dans les oreilles. Avec de la motivation, tu vois. Mais là, je suis obligé de compter pour toi, de te motiver, de te parler un peu, d'accord? Mais d'habitude, je parle pas. Je garde tout mon souffle, toute mon énergie, parce que quand tu parles, eh ben, tu te reposes pas malheureusement. Donc, tu es dans ma musique, tu focus, je choisis ma playlist et tout. Mais là, je le fais avec toi. Parce que j'ai pas le choix. On doit se motiver ensemble. Et c'est important. Oh. 25. 1 minute 25, on va repartir. Ouh, allez. Hop. Je mets ça bien en dessous les mains. Et on y va. Allez. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5.
1, 2, 6, 1, 2, 7, comment? 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok. Oh. Les dernières sont de plus en plus dures. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Faut aller au bout. Tu fais pas la dixième tranquillement, aisément comme les autres, mais tu vas au bout. Tu vas au bout de tes limites, c'est important. J'en ai 5, il m'en manque 2. Et après, on est bon, ok? On va passer à l'exercice suivant. C'est dur les mecs, c'est dur. Et plus t'es balèze, plus t'as du muscle, plus tu congestionnes. C'est un truc de fou, la musculation, c'est ça. Là, tu vois, là, mes épaules, mes bras, mes biceps, tout est congestionné. Il y a aussi le booster, voilà, il me congestionne bien, il fait ressortir mes veines et tout. Je suis vraiment, je suis vraiment KO. Je prends un peu de BCA. Heureusement qu'il y a ça pour la récupération. Goût tropical. Pris deux gorgées. Ça me met bien. Oh. Mais comme je veux te dire, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Ça, tu dois le répéter. On n'a rien sans rien. Tu dois bosser. Tu dois faire tes séries. Tu dois attaquer tes séances. D'accord? Moi, je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour faire ça avec toi. 1 minute 26, j'ai arrêté le chrono. Je me prépare, je mets mon élastique. Là, c'est la dernière. D'accord? Hop! Et j'irai au bout de cette séance. C'est important. Comme je t'ai dit, tu fais ça avant de faire une vraie séance pec. Et là, on est bien. Hop, allez. Hop, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. Oh, putain, je dois faire la dixième. Allez, allez. Je peux pas m'arrêter à 9. Oh, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter à 9. Allez. 1, 2, 1. Ok. Oh. Ok, je mets mon temps de repos. Tranquillement. Je mets mon sixième trait. Et on est bien. Tu vois, parfois c'est compliqué. Tu peux arrêter à la 8e ou 9e ou 7e. C'est pas grave, tu te poses. Tu te couches un peu. Et dès que tu es prêt, tu repars et tu valides. Même si tu fais pas une séance entière, enfin une série entière, tu valides. C'est le plus important. Il faut valider, toujours aller au bout. C'est comme ça que tu atteins tes limites. C'est comme ça que tu connais tes limites. Et c'est comme ça que tu vas progresser et évoluer. Moi, je me repose pendant 3 minutes. Et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, on va se faire de l'écarté couché avec l'élastique. Très très bon exercice pour bien étirer tes pecs et bien les préfatiguer avant une séance pec. Bon, c'est un exo que tu peux faire sur le sol, mais je le fais sur le banc pour être un peu plus confortable et avoir des plans un peu plus cool. Ok, tu prends ton élastique, tu le mets, hop. Attends, je le mets bien derrière moi. Tu les étires au maximum et tu les ramènes tranquillement au ralenti. On va se faire 6 séries de 10 répétitions. On va prendre notre temps. On va monter en 3 secondes, d'accord? On va faire 1, 2, 3 et relâcher. Tranquillement. Et on pense à bien serrer les pecs, bien contracter les pecs. C'est parti. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. On tire bien les élastiques. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. On se pose un peu, tranquillement. Oh, je mets pas de temps de repos. Et après, on va repartir. Oh. Allez, je me prépare. Comme pour la séance biceps. Par contre, mon dos est trop large. Je suis obligé de le reprendre. Allez, hop, j'ai mes derrière moi. On va repartir. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10. Je mets mes deux traits, sinon j'ai oublié. Hop, 1, 2. Ok, super. Franchement, je sens bien mes épaules aussi. Ça va me donner l'occasion de faire une bonne séance pec-épaule après, histoire de bien les solliciter. Allez, je remets mes élastiques tranquillement. Hop, allez. Ouf. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok. Oh. Je mets mon petit trait tranquillement. Hop. On a 3, il nous en reste 3. Boire mes BCA, goût tropical. Deux gorgées. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Là, je sens que mes épaules vont exploser. Vraiment. C'est bien d'avoir des élastiques de plusieurs intensités différentes. Comme ça, si tu sens que c'est trop dur, tu peux changer, tu peux baisser. Par exemple, là, j'ai pris celle de 35 kg. Si c'était trop dur, je peux baisser. Là, je sens que c'est un peu dur, mais j'ai pas envie de baisser. Dû à mes performances de tout à l'heure, je suis obligé de le garder. Sachant que au lieu de prendre 3 minutes de repos, j'ai pris 2 minutes de repos. Hop. Je dois faire les choses bien, c'est important. Allez. C'est la quatrième là. Ouais, c'est la quatrième. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, allez, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, allez, oh, oh, putain. Je mets mon quatrième trait. Évidemment, faut que la feuille glisse dans mes mains. Il en manque deux. Tu vois, ça peut être un petit programme tranquille, un petit programme simple à faire. Mais quand tu vas faire une séance pec après, tu vas voir comment tu vas bien sentir tes pecs. Parce que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de bien sentir ses pecs. Si t'as du mal comme moi, on n'a pas le choix. Faut pré-fatiguer, faut faire des techniques. Et ces techniques, elles sont là, d'accord? C'est important. Bien entendu, si t'es en salle de sport, ce sera plus facile, d'accord? T'as beaucoup de machines, t'as beaucoup de trucs comme ça. Mais en salle de sport, tu peux avoir le même problème que moi et d'autres personnes. Tu peux avoir du mal à sentir tes pectoraux. Donc, fais une petite série de pompes, fais une série comme on fait aujourd'hui. Et ça va t'aider à bien sentir tes pecs. Bien entendu, il y a des exercices aussi que je donne qui aident à bien sentir ses pecs. Mais ça, ça va t'aider encore plus. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, allez, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9,
Une, deux, trois, dix. Ok. Oh putain. Hop, on est à 5. Il en manque une dernière. On est à 5. Hop. On a 5. Et on va passer à l'exercice suivant. Ouf, là, je sens que mes épaules sont bien. Je sens que mes épaules vont éclater. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est important. Pec, épaule, ça va bien ensemble. Ouf. Ah, la créatine. La créatine, pour l'instant, je ne la sens pas trop agir. D'accord ? Pour bien l'utiliser, il me faut une petite semaine. Ok ? Une petite semaine où je pousse à fond et je prends la créatine à fond. Et là, t'inquiète pas, que je pourrais lancer ma série de vidéos que j'ai envie de lancer. Enfin, c'est pas pour une série, c'est 5 épisodes que j'ai envie de lancer. Ah, mais j'ai vraiment envie de te teaser ça. Mais je préfère rien dire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, sauf que je vais pas la faire. Ou voilà, mais j'ai besoin de faire un test PCR pour aller à la salle parce que ça peut que se faire en salle de sport. Allez, on y va pour la dernière tranquillement. Hop, je mets ça derrière mon dos. Hop. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, allez, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok. Oh, putain. Oh. Ok, on est bon. Je mets le sixième trait, très important. Le trait de satisfaction. Je prends mon chrono et je me mets 3 minutes de repos. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice. Bon, là, je me suis mis en condition. J'ai tout retiré. Parce que voilà, j'étais congestionné, j'étais chaud. Donc, on va se faire encore un exercice de type vis-à-vis, mais plus pour le bas des pecs cette fois-ci. On met l'élastique en bas, on se penche un peu et ok, on bloque vers le bas 3 secondes. On va faire pareil. 3 secondes, on va bloquer et on va venir vite. On va faire ça 6 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok. Par contre, ça tire un peu sur mon micro. J'espère que ça ne va pas le débrancher. Normalement, non, mon micro il est dans les airs. C'est bon, j'espère que ça va tenir. Je mets mon petit trait, temps de repos, pareil. Je te dirai quand est-ce qu'on repart. Hop, mon petit trait, tranquillement. J'essaie de faire une petite magouille pour que le micro, il tient bien. Et on va repartir, tranquillement. Allez, hop. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, on serre bien les pecs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok. Ouh. Deuxième trait. Là tu vois, ça s'enchaîne. Ça va vite, je sens bien mes pecs, tout va bien, tout se passe bien. Je mets juste mon téléphone devant pour voir mes mouvements. Au niveau des pecs, ça va, on commence à être congestionné, on commence à être bien. Je ne mets pas beaucoup de torse nu sur cette chaîne, parce que voilà, je sens que j'ai un peu perdu et tout. Mais bon, on s'en fout. On est là pour se motiver, c'est le plus important. Alors, on va bientôt repartir. Oh! 5, 4, 3, 2, hop, 1, on y va. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ok. Oh, je mets mon petit trait tranquillement. Enfin, ma feuille est à l'envers. Ok, on a 3. Tranquillement. Il nous en manque 3 et après on repart. Là je prends un temps de repos assez court parce que c'est un exercice qui use et là je suis en phase où le booster il agit. D'accord? Le booster il est bon, il est prêt. Donc je peux repartir et envoyer tranquillement pour être bien. C'est important. Donc si tu prends un booster et tu sens que tu es vif, tu peux partir, pars. C'est important. Si tu sens que tu es un peu fatigué, repose-toi. Et aussi j'ai aussi des BCA qui m'aident. C'est pour ça que je te dis qu'avec un booster et des BCA, des compléments alimentaires, eh ben, ta séance, tu la fais plus facilement. Tu vas chercher plus loin et tu progresses plus rapidement. Et c'est là que les compléments alimentaires sont utiles. On va repartir tranquillement. Allez. Hop. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok. Oh, je crois beaucoup mon mouvement avec mon retour. Ça m'a l'air pas trop mal. On est bon. Je vois aussi si mes pecs sont bien congestionnés. Hop, je mets... Quatrième trait, il m'en manque deux. Tranquillement. Ouh. Juste après ça, juste après ces programmes à élastique, ben, beaucoup de personnes m'ont demandé des programmes comme ma séance type, programme complet, mais beaucoup plus dur. Je vais voir comment je peux procéder pour te proposer des exercices beaucoup plus durs avec haltères et barres. Mais on va faire ça. On va faire ça bien et on va se préparer parce que des programmes plus durs, ça peut se faire. Il faut juste de l'organisation de ma part, beaucoup de force. Et on va te présenter ça dans le meilleur moment possible. Ok? D'ailleurs, je suis très content. Hein. Le groupe Discord, il marche bien. Beaucoup de personnes sont là. Il me semble qu'on est à 70 membres ou un peu plus. Beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, beaucoup de partage. Et je remercie encore les modérateurs pour leur travail exceptionnel sur le Discord. Alors, on va repartir. On est 4. On a 4, il en manque 2. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok. Ouh. 5, il en manque une dernière et après on est bon. Comme je t'ai dit, ça c'est un programme parfait d'échauffement pour les pecs. Si t'as pas l'habitude de faire la musculation, tu débutes, ça peut être un programme pour toi, un petit programme pour commencer et après à la fin tu fais une vraie séance. J'ai fait une playlist de programmes type pour les pectoraux, ça tu peux la faire juste avant, où j'ai fait plein de programmes pecs que sont points faibles et tout. Tu peux faire ces programmes-là juste après, d'accord? Ça reste un programme d'échauffement, ok? Si tu as déjà l'habitude de faire la musculation, tu es déjà habitué, tu as du mal à sortir tes pecs, c'est très bon pour toi. Tu fais ça pour commencer et après, à la fin, tu as un programme un peu plus complexe, ok? Il faut faire les choses bien, comme je dis, c'est important. Et là, on fait la dernière, histoire de tout balancer. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok. Oh. Je fais mon sixième trait. Et après, on est bon.
Mon micro, il n'arrête pas de pendre. Mais ça va, il est encore allumé normalement. Tout se passe bien. Le son doit être bon. Il doit être bon. Bon, j'espère que tu as kiffé ce programme. Pectoraux à l'élastique. Comme j'ai dit, c'est un programme d'échauffement, un programme de préparation. Si tu as du mal à sentir tes pecs avant une vraie séance pec. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, à rejoindre le Discord. C'est pas fait, c'est que tu rejoins une communauté qui est dans l'entraide, dans le partage, dans le soutien. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et aussi, si tu as mes compléments alimentaires, dont mes BCA que je vais finir, et ben tu as mon code DAMS sur MyProtein. De toute façon, tous les liens sont en description. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything. Who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 500 horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.